J'ai la chance d'enseigner dans une école d'ingénieurs à Genève qui s'appelle EPIA. Et puis il y a différents types d'enseignement. Dans le cas, dans un enseignement traditionnel, on va pouvoir euh, généralement travailler avec les étudiants dans un amphithéâtre. On va travailler de façon frontale et non participative, chaque étudiant étant plongé dans ses notes ou dans son ordinateur et écoutant plus ou moins religieusement ce que dit le professeur. Euh, généralement, ça se fait en suivant un planning traditionnel où on va donner un certain nombre d'informations, des techniques, différentes choses, et qui est ponctuée après par un examen. Or, quelles sont les qualités attendues des étudiants à la fin de leur parcours dans une école d'ingénieur, par exemple, pour devenir ingénieur en gestion de la nature On va leur demander de faire preuve d'initiative. On va leur demander d'être curieux. On va leur demander d'avoir une capacité importante d'intégration, être capable d'intégrer des notions qui viennent de différentes personnes, de différents partenaires, de différents acteurs. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un sens de l'analyse qui est important, et puis euh, un sens du compromis, parce qu'évidemment chaque acteur va avoir une euh, opinion qui n'est pas la même que l'autre, et puis pour fin, au final le projet il doit essayer d'obtenir le consensus d'un maximum d'acteurs différents pour qu'ils puissent être acceptés et réalisés. Donc ça nécessite de la transversalité, de l'inter et de la pluridisciplinarité. Donc l'enseignement qu'on propose, c'est un enseignement qu'on va dire inversé. Euh, au niveau du planning, on va commencer par l'examen. On va leur dire, voilà, à la fin de vos, vos trois années, normalement, vous devez être capable de faire ça. Alors voilà, le projet, c'est ça. Allez-y, c'est cette problématique, débrouillez-vous pour la, pour la réaliser. Et puis en fait, on va faire ensuite une acquisition des connaissances par résolution de problèmes. Ils vont se rendre compte qu'il y a cette difficulté, il y a cette chose qu'ils ne savent pas faire et on va leur donner les pistes au fur et à mesure qu'ils découvrent ces problèmes et qui nous demandent à trouver des, des solutions qu'ils vont faire ensemble. Ces initiatives vont permettre un apprentissage, par exemple, de la législation et des connaissances techniques, la, des questions de mise en œuvre et à la fin, ils vont pouvoir présenter leur bureau d'études virtuels, le futur bureau dans lequel ils vont travailler et les compétences qu'ils auront acquis dans le cadre de la présentation d'un avant-projet. Alors l'exemple qui est en cours aujourd'hui, mais on peut avoir différents types d'exemples, c'est la construction d'une passe à poissons sur une petite rivière vaudoise près de l'embouchure du Boiron de Morges, à côté de la maison de la rivière. De quoi s'agit-il On va leur dire, dans un premier temps, qu'il y a une présentation totalement minimale euh, du projet. On va leur dire qu'il y a un obstacle à la migration et qu'il y a dans cette rivière des poissons migrateurs et que ça pose problème. Lequel, pourquoi, à eux de voir. Donc, on va aller rapidement sur place. On va faire une visite de terrain. Et dans le cadre de cette visite de terrain, on va demander aux étudiants de prendre des notes. On va leur demander d'observer plein de choses et d'établir un diagnostic. Ça, c'est absolument essentiel. Ils doivent être capables, à la fin de cette visite de terrain, de voir la problématique, voir ce qu'il y a, voir bon, des problèmes. Tiens, il y a une forêt, tiens, il y a une parcelle agricole, tiens, il y a une rivière, il y a, il y a un pont, il y a des choses comme ça. Et d'être, après, essayer de, de voir quels sont les problèmes, comment, qu'est-ce qui se passe et comment essayer de faire, essayer de faire pour les résoudre. Donc, les questions qui se posent généralement à l'issue de cette visite de terrain et puis ensuite des questions qu'on reprend en, en classe, c'est typiquement quelles sont les espèces de poissons présentes, alors que s'ils si nous pose la question, on va leur dire comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir répondre à cette question, puis on va leur donner les réponses. Ils peuvent se demander aussi euh, quel est euh, cet obstacle, est-ce qu'il est franchissable ou non. Et puis, on va leur dire, on va leur, à ce moment-là leur, les, 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 leur permettre d'expliquer de, qu'on peut marquer les poissons, qu'on peut faire toutes sortes de choses. À qui appartiennent les terrains Pourquoi est-ce qu'on prélève l'eau Tiens, c'est une prise d'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe si on coupe l'eau Qu'est-ce qui va se passer pour les autres, pour les autres gens plus en aval Quelles sont les conditions hydrauliques dans la passe Quelles sont les démarches à faire pour faire avancer le projet Et là, on vient avec tous les processus légaux et euh, démocratiques. Et finalement, comment est-ce qu'on peut communiquer sur le projet Alors, euh, par rapport à ça, ils vont élaborer leur projet élaborer un ensemble de, de variantes. Et puis, à ce moment-là, on ne s'attache pas vraiment aux. À la résolution, ils vont avoir trois ans pour avoir les bons plans, pour savoir bien comment euh, travailler avec les programmes d'ordinateur qui permettent d'établir les plans. Ils vont pouvoir résoudre tous les problèmes techniques. Ici, c'est pas ça qu'on demande. On peut leur demander des plans, des dessins, des croquis. En gros, on veut comprendre le, leur démarche et ce qu'ils veulent faire en quelques mots. Et finalement, s'il y a des erreurs techniques, c'est pas grave. Ils ont trois ans pour apprendre à les résoudre. Aussi, ce qu'ils vont devoir faire, c'est essayer de voir dans la nature, ailleurs, s'il y a la même problématique et puis comment est-ce qu'on peut faire pour la résoudre. Et puis là, ils vont chercher sur Internet, ils vont regarder, on va aller faire d'autres visites sur le terrain pour leur montrer d'autres ouvrages de ce type. Ils vont voir que c'est très différent d'un endroit à l'autre. Alors, pourquoi c'est différent Qu'est-ce qui fait qu'on a construit comme ça cet endroit Qu'est-ce qui fait qu'on a construit comme ça cet endroit Et puis, euh, comme ça, ils vont essayer d'adapter leur projet à la meilleure solution. Quelles sont les contraintes Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ici et pas ailleurs Quelles sont les Avantages et les inconvénients. Tout ça, c'est des éléments qui vont pouvoir intégrer pour faire le meilleur projet possible. Quant à l'examen, on va le faire sous la forme d'un jeu de rôle, avec un... les profs vont jouer le rôle d'une municipalité qui a mandaté un bureau d'études, en l'occurrence des étudiants, pour réaliser ce projet. Donc, ils vont devoir présenter leur bureau et ensuite présenter leur projet. On les prend pas en traître. Parce que c'est exactement ça qu'ils devront être capables de faire euh, lorsqu'ils auront quitté euh, l'école et qu'ils se trouveront dans la vraie vie, euh, la vie où ils vont devoir euh, travailler dans un bureau d'études par exemple, ou dans un, euh, dans un office euh, cantonal ou fédéral ou, ou communal. Alors on va profiter à cette occasion-là pour leur poser un certain nombre de questions déstabilisantes et à eux d'essayer de, de résoudre euh, ces questions euh, au mieux. Alors généralement ils ne sont pas armés pour répondre à ça mais c'est justement pour voir un peu ce qu'ils ont dans le coffre et s'ils sont capables de répondre à ce genre de questions qui peuvent être déstabilisante ou à minima stupide. Comme par exemple, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de flinguer tous les cormorants Est-ce qu'il vaut mieux investir dans les structures sociales pour la même somme euh, Est-ce que c'est vraiment à la commune de faire ça ou est-ce que c'est à d'autres à payer Combien est-ce qu'on achète les terrains Combien coûte ce projet-là euh, Qui est responsable Et puis finalement, est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'investir dans l'agriculture, par exemple, plutôt que dans la protection de l'environnement Voilà un certain nombre de questions qui ne qui sont pas forcément... Tellement pertinente, mais on, on verra aux étudiants comment ils répondent par rapport à ça. Quant à la correction, on va faire venir à la fin du processus les vrais acteurs, les vrais bureaux qui ont vraiment travaillé sur le projet et ils vont nous montrer, euh, ils vont nous montrer les plans qui sont, qui sont réalisés, comment est-ce qu'on est qu a résolu ce problème, comment est-ce qu'on a fait et en fait ça montre aux étudiants ce à quoi ils doivent être capables d'aboutir à la fin des trois ans d'études, mais ils ont du temps pour apprendre tout ça. Alors, on l'a fait pour les passes à poissons. On peut le faire. On peut le faire encore pour d'autres sujets. Comme, par exemple, ici à Genève, on a fait un projet sur la pointe de la Jonction. C'est un endroit magnifique à Genève qui va être complètement transformé, où il y avait actuellement les arrêts des bus. Qu'est-ce qu'on va faire à cet endroit-là? Comment est-ce que ça va être? Il y a plein de projets dits possibles. On travaille aussi sur le bois de la bâtie, par exemple, ou sur le port de Nyon, l'établissement d'un port dans la région lyonnaise. Pour l'évaluation du travail, il n'y a pas de variantes qui sont justes ou fausses, on ne va pas les juger là-dessus parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences pour le faire à ce stade-là. Par contre, il y a des variantes qui sont justifiées ou non et c'est là-dessus qu'on va baser notre appréciation pour voir si effectivement ils ont retenu euh, tout ce qu'ils avaient à faire et sur la base de ce qu'ils ont appris sur le terrain, des connaissances qu'ils ont apportées, s'ils ont pu justifier leur variante ou non.